Bonjour. Hop. Allez, j'attends que vous vous connectiez. J'attends aussi que ma tablette puisse se connecter pour que je puisse voir vos messages en direct, en live. Hop. Un petit délai, hein, toujours. Ça en replay. En mode, allez, dépêche-toi, dis-nous, Romain. Je suis désolé. Voilà, ça y est, je me vois. Hop, on coupe le son. Ok, nickel. Comme ça. Ah, je vous vois aussi. Hop, oula. Ah, il y a deux personnes qui me regardent. Partie de ces deux personnes qui me regardent ou pas. Il y avait une personne que je connais qui me regardait il y a quelques secondes. Voilà, donc on va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Et puis voilà, bah, si tout de suite vous avez des premières questions, si vous voulez envoyer déjà vos premières questions par rapport à ça, bah, dites-moi en commentaire. Tiens, dites-moi aussi en commentaire les personnes qui ont entrepris une perte de poids ou qui ont perdu une perte de poids et qui se trouvent justement dans cette phase, qui se disent mais comment je vais faire maintenant pour me stabiliser, pour qui a atteint mon objectif. D'accord? Donc mettez-moi ça en commentaire. Je vous rappelle que dès lundi là, qui arrive le 6 juillet, lancement d'une nouvelle session Radix 90 plus. D'accord? Donc pour les personnes qui souhaitent justement perdre du poids, se remettre en forme et perdre du poids, c'est the programme idéal. D'accord? Donc là, on est sur le groupe privé, mais dans le groupe premium, les personnes qui y sont attachées ont suivi ce programme, suivent encore ce programme et me disent, Romain, j'aurais pas cru que c'était si facile que ça d'obtenir des résultats aussi ouf. Tiens, voilà, il y a Stéphanie qui est là, qui pourrait très bien vous en parler parce qu'elle fait vraiment partie de ces personnes-là. Elle me dit, ah, on adapte, j'adapte au maximum. On communique, on fait en sorte que les choses se passent pour le mieux possible, que ce soit quelque chose qui soit vécu pour vous-même, pour votre corps, mais aussi pour votre tête, qui soit vécu le plus facilement possible. Si c'est un trop gros choc, un trop gros bouleversement, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un plongeon et qui bah, tombe dans une eau froide, hydrocution. Bah, là, c'est la même chose. L'hydrocution, c'est qu'après, bah, va y avoir l'effet yo-yo, boum, boum, ça va repartir. Si vous faites partie des personnes bah, qui ont soit suivi le programme Radix 90+, soit qui ont fait bah, avant que je l'appelle Radix 90+, mais il y a des personnes qui étaient avec moi depuis pas mal de temps avant et qui ont obtenu des résultats de dingue et qui se trouvent maintenant justement dans cette phase dans laquelle on va parler aujourd'hui, la phase de stabilisation. Et ben, j'ai mis en place un nouveau programme qui s'appelle Radix Next. Donc c'est un programme qui vous suit après de perte de poids, c'est quand vous avez atteint votre objectif ou que vous avez même un autre objectif en vue. Vous vous dites, bah, je veux continuer, je vais peut-être perdre encore 5 kilos. Ou vous vous dites, bah, maintenant que j'ai perdu du poids, bah, c'est peut-être le temps pour moi bah, d'essayer de faire le 10 km de Saint-Dizier. Là, vous avez vu, on va faire le 10 km de Saint-Dizier, version chacun part de chez soi, etc. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Voilà, donc peut-être que vous avez un nouvel objectif, un semi-marathon, un marathon, faire le GR20 en Corse ou je ne sais pas. Il y a énormément de belles choses à faire, la dune du Pilat et tout ça. Donc il y a énormément de belles choses à faire qui peuvent faire partie donc, de ce programme Radix Next. Donc c'est un programme dans lequel, eh bien, justement, on est dans cette phase de stabilisation dont on va parler aujourd'hui. Donc je dis bonjour à Angélique, à Marion, à Stéphanie, à Fanny, qui sont là avec nous. Donc voilà, donc là on va pouvoir démarrer notre FAQ. Alors, donc déjà, ben, quand on parle de phase de stabilisation, il y a trois hypothèses qui peuvent se présenter. La première hypothèse, on est dans une phase de stabilisation après avoir perdu du poids. D'accord? Donc après avoir entamé un, comme on appelle, un régime. Alors le mot régime ne veut pas dire restriction forcément, d'accord? Quelqu'un qui mange, bah tiens par exemple là on a Léonie au restaurant de Léonie, on va pas dire matin, midi et soir parce que je ne crois pas qu'elle soit ouverte pour le petit déjeuner, mais midi et soir, elle a un régime alimentaire Porto Grill.
D'ailleurs, n'hésitez pas à aller goûter Porto Grill, c'est vraiment incroyable. C'est pour moi, c'est le restaurant qui m'a le plus fait kiffer avant le confinement. J'y étais allé parce que elle m'avait invité à faire une petite soirée comme elle organise régulièrement. Et donc, pour me récompenser, elle m'avait offert à ma femme et à moi un repas. Et franchement, c'est le restaurant qui m'a 2020, voilà, the restaurant 2020, voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc je disais, quelqu'un qui mange midi et soir chez Léonie, il a un régime alimentaire Porto Green, d'accord. Quelqu'un qui mange au McDo tous les jours, il a un régime alimentaire McDo, pizza, pizza, voilà. Donc régime ne veut pas dire restriction, mais on va dire que une personne qui a suivi pendant quelques mois un régime hypocalorique, c'est-à-dire avoir un apport calorique. Attendez deux secondes. Parlez moins fort. Oh. Un régime hypocalorique, c'est-à-dire avoir une dépense calorique, on va dire à 2000 calories, et manger 1800, 1500, 1200. Ça, c'est hypocalorique. Ça veut dire avoir moins de calories que ce que le corps en a besoin pour la journée. Voilà. Donc, avoir un régime hypocalorique, atteindre son objectif, et là on se dit, maintenant je veux stabiliser. Salut Marion, je veux stabiliser. D'accord, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est une personne qui est par exemple soit ectomorphe, pour les personnes qui font de la musculation, ou une femme, c'est souvent les femmes, mais il y a aussi des hommes qui seraient, donc, comment ça s'appelle déjà, tiens, le mot ne me vient pas tout de suite. Qui serait, c'est parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur, j'ai du mal à me concentrer, ça va être bon. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh mince, dites-le moi en commentaire. Une personne qui est trop maigre, une personne qui est trop maigre, qui ne mange pas, qui est qui mange, qui refuse la nourriture, qui n'accepte pas de nourriture, dites-le moi en commentaire, aidez moi un petit peu. Donc voilà, une personne qui était comme ça, qui va voir son médecin et qui lui dit, le médecin lui dit, il va falloir que tu reprennes une alimentation pour remonter au kilo. Donc cette personne remange, se remet peut-être aussi à l'activité physique pour se remuscler et réussit à atteindre donc ses 60 kilos et là, ne pas reperdre le poids anorexique. Merci Marion. Une personne anorexique qui donc à qui pour des problèmes de santé, c'est très bien. Merci Marion. Une personne qui est anorexique qui a des problèmes de santé, d'accord, à qui on demande de reprendre du poids et là soit ne pas reperdre, soit ne pas continuer à prendre du poids, qui veut se stabiliser à ce pas 60 kg qui est son poids de forme, son poids idéal. Donc deuxième hypothèse, ça peut être comme ça. Ou une personne qui est ectomorphe et qui fait de la musculation pour prendre du poids, qui estime qu'à 70, 72, 75, elle est à son poids de forme et que son poids, si elle prenait plus de poids, ça pourrait être un problème pour elle. Ça a été mon cas à moi. J'ai fait des compétitions de muscu et pendant les phases de prise de masse, entre guillemets, je suis monté jusqu'à 90 kg. Or, ce poids-là, je ne pouvais pas le supporter sur le podium quand je faisais mes cours pour mon travail, d'accord. C'était quelque chose d'insupportable. Je n'y arrivais plus, je n'arrivais plus à faire un body combat, je n'arrivais plus à faire un body attack, je n'arrivais plus à faire des cours comme ça. Donc, moi, j'ai compris que trop mince, en dessous de 70 kg, en gros, vers là-bas, j'ai pas de téléphone, je l'ai oublié. Ok, vous avez vu, c'est difficile de gérer la vie de tous les jours, mais on y arrive. Donc, je disais quoi? Ouais, donc j'ai vu que en dessous, quand j'étais en période de sèche en compétition, en dessous de 70 kg, c'était trop dur parce que j'avais la tête qui tournait tout sur le podium, c'était trop dangereux. Mais au-dessus d'un certain poids, j'y arrivais pas parce que c'était trop dur à traîner, quoi. Donc, stabilisation. Comment stabiliser? Comment pas descendre? Comment pas monter? D'accord? Rester stable. Et enfin, dernière hypothèse, c'est là où le bouleversement hormonal est le plus important. Vous êtes une femme, vous êtes dans la tranche d'âge 40-50 ans. D'accord? On voit de quel bouleversement je commence à parler. Et ce qui se passe, c'est que votre métabolisme chute, ralentit, vos hormones descendent. Et même si vous continuez à manger exactement de la même façon que vous avez toujours mangé, ou même si
vous faites toujours autant de sport, là, vous vous rendez compte que vous prenez quand même malgré tout du poids. Et là, vous vous dites, bah, comment que ça se fait? Quand j'étais dans la tranche d'âge 20-30 ans, tout allait bien, je prenais pas de poids, je me stabilisais, je me sentais bien comme j'étais. Et là, maintenant, là que je prends du poids. Ça fonctionne aussi pour les adolescentes, d'accord? Là, justement, on parlait tout à l'heure de régime. On a le régime ado, hein, McDo, Burger King, les petits gâteaux, les chips, ordinateur, pas de sport. Oh, je prends pas de poids, impeccable! Impeccable, je vais pouvoir faire ça toute ma vie. Puis là, on arrive à 20 ans, fin de la croissance, blaoum! On se prend 7 kilos, 10 kilos dans la gueule et on comprend pas de quoi ça vient. D'accord? Donc ça, c'est les trois hypothèses. D'accord? J'ai perdu, je veux me stabiliser pour pas reprendre. J'ai pris du poids pour ma santé, je veux pas reperdre du poids ou en reprendre. D'accord? Ou alors, on a, j'ai toujours été stable. J'ai 18 ans, j'ai 15, 16 ans. J'ai toujours été stable en mangeant des chips. Arrivé à 20 ans. Je me suis maintenu 20-30 ans et là j'arrive dans les 45 ans, je reprends du poids, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord? Donc, eh bien déjà, c'est clair, on est tous différents, tous différentes. Donc, ben, il faut tester. Déjà, tester sur soi. Première chose, d'accord? Voir comment ça fonctionne, comment ça marche. Moi, ce qui m'a permis là, avec la trentaine, et également avec l'arrêt des compétitions qui a été quelque chose de très, très, très mauvais pour ma santé. Énormément mauvais, je ne le conseille à personne. Je ne conseille à aucun homme et je le conseille encore moins à des femmes de participer à des compétitions comme ça. Ça rend dingue dans sa tête et ça bousille vraiment le corps, ça le perturbe dans tous les plans. D'accord ? Donc moi, arrivé dans la trentaine et avec l'arrêt des compétitions, ce qui s'est passé, c'est que le métabolisme que j'avais dans les 20 ans, d'accord, j'avais un métabolisme, j'étais une chaudière. Et je pouvais presque manger ce que je veux. Et là, d'un coup, ben, c'est le bordel. Donc moi, ce qui m'aide à maintenir mon poids, et je l'ai testé sur moi, je ne l'ai pas testé 15 jours. D'accord? Ça ne sert à rien de tester un truc sur 15 jours, d'aller regarder une nouvelle vidéo sur YouTube, un autre gars que moi qui va vous dire, ben, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. D'essayer son truc à lui 15 jours, oh, ben je vais réessayer ça, je vais réessayer ça, je vais réessayer ça, je vais réessayer ça, je vais réessayer ça. Puis finalement, ben, tu n'essayes jamais quelque chose en fait. Tu changes tout le temps, d'accord? Donc prenez le temps d'essayer, essayez de suivre les conseils que je vous donne, essayez-les pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Si ça marche pas, ben là d'accord, vous pourrez vous dire ça marche pas. Mais avant de changer, essayez vraiment quelque chose. Donc moi, j'essaye depuis pas mal de temps le jeûne intermittent. C'est-à-dire arrêter de manger le soir, on va dire moi, en moyenne, c'est 20h, 20h30, d'accord? Je ne remange pas, même si je fais ma séance de muscu, je prends juste quelques cuillères de confiture avant d'aller faire la muscu pour avoir la patate au début, d'accord? Et puiser seulement sur la fin de ma séance, c'est pour ça que mes séances sont courtes, puiser seulement sur la fin de la séance, aller puiser dans les réserves de gras, mais pouvoir tenir jusqu'à midi. Normalement, on va jusqu'à 14h, mais moi, j'ai envie quand même de profiter aussi de manger avec ma femme et mon fils le temps de midi. Donc, voilà pourquoi je remange seulement à 12h et pas à 14h. Et le jeûne intermittent, bah, ça m'aide. Ça m'aide, j'arrive à maintenir mon poids et à m'autoriser des cheat meals, des écarts dans la semaine. Moi, mon but, c'est pas de perdre de poids. Donc, vous allez me dire, ouais, dans 90 plus, tu nous autorises pas de perdre de poids. Ouais, mais si j'avais pour objectif de perdre du poids et de sécher, je m'autoriserais pas d'écart, d'accord? Là, quand vous allez arriver dans votre stade, de stabilisation, oui, on va s'autoriser des écarts sur la diète, des cheat meals, d'accord? Des repas trichés, ça s'appelle, d'accord? Voilà, donc ça m'aide à stabiliser mon poids. Donc, expérimentez peut-être ça, vous verrez bien si c'est quelque chose qui vous est bénéfique, ok? Donc, pour les personnes qui ont perdu du poids grâce, par exemple, au programme Radix 90+, une fois qu'on va avoir terminé ce programme, évidemment qu'on va avoir atteint notre objectif, on ne va pas suivre une diète hypocalorique puisqu'on continuerait à perdre du poids. Et ce n'est pas le but. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est réintégrer progressivement des quantités. Moi, je le vois comme ça. Vous verrez peut-être d'autres prescriptions dans d'autres vidéos sur YouTube, Facebook. Moi, on va vous dire, tu as arrêté... je sais pas moi, tu as arrêté le chocolat pendant Radix 90+, tu peux le réintégrer. Ben non,
Ah non, parce que moi, ce que je vais te conseiller, c'est justement d'avoir en fin de semaine, le week-end, c'est là où c'est le plus dur à tenir, un écart dans ta semaine, d'accord? De ne pas en prévoir deux. Pourquoi? Parce que si tu te prévois, oh ben je vais me faire un écart le mercredi et puis je m'en ferai un le dimanche, tu te fais ton écart le mercredi, clac, quelqu'un t'appelle le jeudi, je t'invite ce week-end, d'accord? Et là, tu vas te retrouver avec non pas deux écarts dans la semaine, mercredi, dimanche, midi par exemple, mais tu vas te retrouver avec mercredi parce que tu l'as déjà fait, samedi soir et dimanche midi. Donc au final, au lieu d'en avoir deux, tu vas en avoir trois. Puis finalement, tu vas en avoir quatre, cinq, six. Le week-end, ça va être débauche. D'accord? Donc garde-toi tes écarts sur la fin de la semaine. Qu'un seul écart, bah, du coup, la semaine d'après, bah, c'est bien, tu pourras en faire un peu plus. D'accord? Mais moi, je te conseille vraiment d'avoir des écarts parce que ça va te donner un objectif dans la semaine. Tu vas te dire, je mange la semaine pour pouvoir me faire plaisir le week-end. Je fais ma muscu la semaine au taquet parce que comme ça, je me donne bonne pouvoir faire un bel écart parce que j'étais à la fin de la semaine. D'accord? Donc, réintégrer des quantités la semaine. C'est-à-dire que si, quand je t'ai préparé ton plan alimentaire, on a déterminé qu'il fallait que tu manges 30 grammes de féculents le midi et pas le soir, ben, en réintégrer tranquillement le soir, d'accord? Pour réaugmenter un petit peu tes calories, peut-être réintégrer aussi des aliments qui sont bons et riches en bonne graisse, en bons lipides et bénéfiques à ton corps. Par exemple, les oléagineux, d'accord? Donc ça peut être un petit peu d'avocat pendant tes salades, ça peut être des noix, des noisettes, des choses comme ça. Puis ça sera bon pour toi, pour ta santé. Ça ne sera pas répéter un McDo ou le claquot complet, le fromage complet. D'accord? Donc, remonter tranquillement tes calories. Mais là, tu vas me dire comment je sais que je me stabilise. On est d'accord. Si tu ne prends pas de mesures, comment est-ce que tu veux savoir si tu te stabilises? On est d'accord. On est d'accord. Donc, quand tu as fini déjà ton régime hypocalorique, la première chose à faire, c'est que tu l'as suivi pendant suffisamment de temps pour que ça t'ait donné de bonnes habitudes. Donc, quand tu as fini ton régime hypocalorique, tu reprends pas, tu remanges pas normal. Ça, j'adore cette phrase. Tu remanges pas normal, c'est-à-dire toute la merde que tu mangeais avant. Parce que déjà, c'est mauvais pour ta santé et tu vas répéter, tu vas reprendre du poids derrière et même encore plus qu'avant. Il a été dans une phase où tu t'es un petit peu restreint. C'est pour ça que dans le programme Radis 90 Plus, tu as à te connaître, à voir comment tu fonctionnes pour ne pas. Changement radical, on arrête tout ça. Lui, le jour où tu vas refaire un écart, il va stocker tout derrière. Donc, réapprend à ton corps à se rééquilibrer. D'accord? Et après, une fois qu'on a stabilisé, on réaugmente juste les quantités, mais ça reste propre. D'accord? Ça reste propre. On ne reprend pas cette mauvaise alimentation qu'on avait avant, qui est délétère pour ta santé et qui va te faire reprendre du poids. OK? Et ensuite, comme je t'ai dit, les cheat meals, les écarts, tu les remets progressivement. Parce que, évidemment, tu as une vie normale, tu as une vie sociale, tu es invité. Si tu ne réapprends pas aussi à ton corps à manger avec des repas un peu plus caloriques, chaque fois que tu vas refaire un repas un peu plus calorique, bah tu vas rester pendant 24 heures derrière aux toilettes. Crois-moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut que ton corps aussi, il réintègre progressivement les écarts. Donc remonter tranquillement les calories, hein, d'accord? Donc les glucides et les écarts une fois, peut-être tous les 15 jours, puis une fois tous les 10 jours, puis une fois toutes les semaines, mesurer, donc prendre les mensurations. Où tu as vu pendant ton régime que tu as perdu le plus, d'accord? Donc si toi tu as tendance à stocker sur le ventre, ben, refaire les mensurations de l'abdomen. Si tu stockes plus au niveau de la culotte de cheval, prendre là, les cuisses, les bras, d'accord? Et le poids. Mais le poids, c'est pas toujours le plus visible, ok? Si tu as ralenti en plus l'activité sportive, tu vas réduire légèrement ta masse musculaire et tu vas réaugmenter ton gras. Et là, tu vas pas t'en rendre compte si tu prends que la balance, ok? Faut que tu fasses encore aussi les photos, le visuel, continuer les photos avant, après, le visuel, les mesures
Et le poids, une fois par mois, plus, c'est des conneries, ça sert à rien. D'accord? En plus, les femmes, avec vos fluctuations hormonales, des cycles mensuels, vous avez trop de variations d'une semaine à l'autre. Donc, prendre sur un mois, et là, vous êtes arrivé à 60 kilos, vous remangez, et là, vous revoyez 62, 63 sur la balance. On ne s'alarme pas. C'est normal de reprendre un tout petit peu de poids quand on réintègre même progressivement certains aliments et les écarts. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas péril en la demeure. 2, 1, 2, 3 kilos, c'est bon. Tu te regardes dans la glace, tu vois que ça n'a pas changé. Tu as la même silhouette. Tu rentres toujours dans les pantalons que tu as réussi à remettre. Au niveau des mensurations, on est bon. Tu reprends le deuxième mois, là, tu es monté à 65. OK, ça ne va pas. Tu en as repris de trop. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux reprendre sur une semaine ou 15 jours pour rééquilibrer un petit peu le rééquilibrage alimentaire que tu avais fait par exemple dans Radix 90+. Tu le reprends pendant une semaine, 15 jours, ça va te permettre de redescendre et hop, tu repars sur ta phase de stabilisation, mais du coup tu réajustes. C'est-à-dire que si tu t'étais remis des féculents le soir, peut-être te dire au début peut-être que 20 grammes, j'en ai peut-être remis de trop, j'ai peut-être aussi comme je t'ai dit, des bons lipides, des oléagineux, des choses comme ça, j'en ai peut-être trop repris. J'ai peut-être repris trop d'écart. Je me suis relancé à un écart par semaine. Bah écoute, on va en refaire que un tous les 10 jours. Et là, tu testes. Pareil, un mois, ok, j'ai réussi à redescendre grâce à ce que Romain m'a conseillé, l'espèce de micro-sèche. D'accord, la sèche, c'est pris dans tous les sens. Une sèche, c'est pour les compétitions, mais ça parle à tout le monde en ce moment. Donc, micro sèche sur une semaine, 2 semaines, ça va te faire redescendre le poids, tu restabilises, hop, tu reprends ton poids un mois, ok, je suis revenu à 62, 63. J'attends le mois prochain, je vois. C'est remonté à 64, ok, et on recommence. Donc, c'est que j'ai encore repris. T'es resté à 63, super. T'as perdu 62. Et c'est en mesurant que l'on sait ce qui se passe. Si on ne mesure pas, malheureusement, on ne peut pas savoir. D'accord? On ne peut pas savoir. On ne peut pas... C'est impossible, d'accord? Pareil pour les personnes qui ont dû reprendre du poids pour des problèmes de santé ou pour des complexes, d'accord, qui se sentaient trop skinny, trop maigres, et bien c'est pareil. Si vous voulez, une fois que vous y arrivez, stabiliser, et bien reprendre son poids et voir si ce qu'on s'est offert en stabilisation, c'est pas trop pauvre en calories, si on n'est pas retombé dans une sorte d'anorexie, comme nous a parlé Marion tout à l'heure, phase d'anorexie. Donc, si le poids redescend, ben c'est pareil. D'accord, remettre ce qu'on avait mis en place, ce ne sera pas une micro-sèche, mais ça sera une micro-prise de masse, on va dire, sur 15 jours, revenir et là, réajuster encore une fois sur plusieurs mois, voir comment ça fonctionne. On est d'accord? Pour les personnes qui sont sorties de phase d'adolescence, première baisse, pas parce que la croissance s'arrête, première baisse, d'accord? Parce que quand on est en croissance, eh ben, pour le développement des os, des muscles, etc., on brûle plus de calories, donc on a une première baisse à ce moment-là. Donc, trouver son rythme de croisière, pareil, les mesures et le test, d'accord? Mais dans tous les cas, arrêtez de manger au quotidien de mauvaises choses pour votre santé, on est d'accord? Et enfin, les personnes qui arrivent aux alentours de la ménopause, d'accord, baissent tous les 10 ans, hein, on a une baisse d'environ 200 points, 200 calories de métabolisme tous les 10 ans, d'accord? Donc, si tu brûles entre 2500 calories à 20 ans, eh ben, tu ne seras plus qu'à 2300 à 30 ans, 2100, tu vois comment ça baisse vite. Donc, ça veut dire que ça doit être une petite baisse aussi que tu vas faire au niveau de tes calories, d'accord? Moi, je ne conseille pas forcément de calculer ces calories, d'accord? Les calculer quand vous êtes en phase de hypocalorique, en baisse de calories, oui. Quand vous êtes dans 10+, évidemment, je vous établis un plan alimentaire avec un calcul calorique qui est établi par rapport à vous. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre taille, de votre poids, ça dépend de votre niveau d'activité physique dans la journée. Ça comprend les activités que vous faites au quotidien, ça dépend de votre travail et ça dépend aussi du nombre de séances de sport que vous faites dans une semaine, d'accord? Une fois qu'on a ça, on est déterminé
un métabolisme, votre métabolisme actuel, le métabolisme idéal, et en dessous de ça, si vous voulez perdre du poids, eh ben, une réduction en hypocalorique, si vous voulez prendre du poids, une hypercalorie. D'accord ? Tout simplement. Donc là, ce que je vous établis pendant la phase d'action, pendant les 30 premiers mois, c'est calculé que ça va vous aider à perdre. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si dur que ça de suivre l'alimentation. Et que s'il y a des écarts qui se présentent, un peu comme ce que je vous ai proposé dans cette vidéo qui va donc... ça s'arrête ce soir, hein, si vous voulez retrouver les conseils d'été, c'est ce soir que ça s'arrête, d'accord ? Mercredi 1er juillet 2020, conseil d'été, c'est ce soir, la vidéo, hop, elle sera retirée. Ok, donc si vous voulez les avoir, et si vous êtes dans le programme Addict 90+, que vous avez un écart qui se profile, vous me dites, Romain, comment est-ce que je vais faire pour gérer la crise ? Pas de problème, on adapte, ok ? Donc moi, ça c'est moi qui le gère dans 90+, mais bon, c'est à vous de le gérer si vous ne voulez pas me retrouver dans ce programme. On est d'accord ? Donc on calcule, on sait que voilà, et si on a besoin de repasser par cette petite phase pendant une semaine, 15 jours, si on voit qu'en remesurant tour de taille, tour de bras, on voit, et poids, on voit que c'est pas bon, eh ben on revient sur ce régime hypocalorique parce qu'on sait que ça a fonctionné une première fois. D'accord ? Donc c'est pareil pour les personnes qui sont toujours stables et puis en âge ben, reprennent du poids, eh ben malheureusement, il va falloir réduire et moi, ce que je vous conseille de réduire, c'est les glucides. Donc, bien sûr, les glucides, on en retrouve dans les céréales toutes pourries qu'on nous vend pour les enfants, soi-disant c'est bon pour leur santé, machin. Non, ça les rend hyperactifs, ça les rend accros au sucre, ça leur pourrit les dents, ça leur pourrit la santé, ça leur pourrit tout. Donc, bref, on les retrouve dans ces foutues céréales-là, mauvaises pour la santé. On les retrouve dans les pâtes, bien sûr, dans les fast-food et dans les... plat tout préparé. Donc tout ça, on l'élimine au maximum. Je ne vous dis pas de leur supprimer complètement, mais on l'élimine au maximum. Et on essaie de se concentrer sur des index glycémiques bas, à savoir donc les céréales complètes, pain, pâtes, riz complète, patates douces et légumineuses. Attention aux petits pois, attention aux pommes de terre, ce n'est pas des légumes, c'est des féculents. Le maïs également, c'est un féculent. Donc tout ça, eh ben, petit à petit, on le réduit. D'accord ? On le réduit. On ne cherche pas à faire plus de sport parce que le trop est l'ennemi du bien. Souvent, on se dit, bah, j'ai vieilli, donc bah, je veux continuer à bouffer autant, en gros, mais je vais faire du sport à outrance. Bah, parfois, bah, ça produit l'effet inverse parce que ton corps, il a besoin de se régénérer et s'il n'a pas assez de récup, s'il a trop d'activité sportive et tout ça, bah, il va encore baisser son métabolisme. Donc, faire trop de sport, ce n'est pas la solution. C'est malheureusement réduire un petit peu son alimentation, d'accord, et l'ajuster en fonction de son âge. Voilà. Bah, je regarde si il y a des questions. Il n'y en a pas, donc bah, n'hésitez pas à continuer à en poser. Si cette vidéo vous a aidé, eh ben, mettez-moi un petit commentaire. Merci Romain pour cette vidéo, c'était super. Si vous avez trouvé que ça ne vous a pas aidé, eh ben, mettez-moi aussi en commentaire. Non, nul, boubou, 0-0, Radix Fitness, c'est 0. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une idée d'un sujet pour la semaine prochaine, bah pareil, postez-moi ça en commentaire. Je vous rappelle qu'une nouvelle session de Radix 90+ démarre dès lundi, ok ? Il reste plus que 3 places, ça part très vite, d'accord ? Je sais comment vous êtes, je sais ce qui va se passer. Quand vous allez voir les photos avant-après et elles arrivent très prochainement, vous allez tous vouloir rejoindre. Et moi, ça va être dur pour moi de prendre tout le monde. Donc, je vous conseille d'y aller crescendo, même si c'est l'été, on s'adapte, on fait au mieux et vous verrez qu'on obtiendra des résultats et que vous me direz au final, ben Romain, j'ai pas trouvé ça si compliqué. Ben oui, parce que ça ne l'est pas finalement. Quand vous êtes suivi, quand vous êtes coaché par quelqu'un qui a compris comment ça marche, parce que moi ça fait 10 ans que je vous propose ça et ça fait 10 ans que je suis des centaines de femmes, je ne me suis pas spécialisé pour rien, d'accord ? Je ne me suis pas réveillé du jour au lendemain en me disant, Romain, aujourd'hui, tu te spécialises dans les femmes entre 35 et 50 ans qui veulent perdre du poids mais qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur journée. Ah non, parce que ça fait 10 ans que j'ai principalement des femmes qui ont entre 35 et 50 ans qui me disent « Romain, ben, j'ai pas beaucoup de temps à me consacrer, il faut que ce soit efficace, il faut que ça aille vite, il faut que ça fonctionne. » Et ça a fonctionné. Donc moi, j'ai regroupé toutes les meilleures choses que j'ai faites. Aujourd'hui, le meilleur, le best, qui s'appelle Radix 90+. Une méthode incroyable et une méthode, bien sûr, qui ne vous lâchera pas
si vous êtes dans une phase de stabilisation, vous avez réussi toute seule peut-être à obtenir cette stabilisation, et là maintenant vous vous dites, et vous avez raison, c'est le plus dur. Se stabiliser, c'est le plus dur, finalement. C'est le plus dur. Et ouais, j'ai déjà suivi des personnes, et je suis encore une personne là actuellement qui a une échéance, un mariage. C'est le plus beau jour de ta vie, le mariage. Mais tu te dis, ben ouais, perdre le poids parce que là, j'ai ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un te met un donuts, vas-y, mange-le. Tu vas te dire non. Dans 3 mois, dans 2 mois, j'ai mon mariage. Il faut que je sois la plus belle. Dégage-le, ton donuts. Une fois que ton mariage, il va être passé, ben, même, il n'a même pas besoin de faire comme ça. Le donuts, tu vas te jeter dessus. Donc là, une fois qu'on a atteint l'objectif, ben, il est hors de question que ça reparte en cacahuète. Mais en même temps, il est hors de question de continuer à se restreindre. On n'est pas dans la privation. Je ne veux pas qu'on parle de privation. On est dans la phase de donc on réduit les calories. Si quelqu'un dans le programme Radix Atomanis Plus me dit « Romain, ça me prive trop ce que tu m'as fait, ça ne va pas. » Je suis à ton écoute, on modifie, on ajuste. Je ne veux pas te priver. Je me suis privé. Et aujourd'hui, c'est dur pour moi à cause de ça. Je ne veux pas te priver toi. D'accord ? Je ne veux pas te priver toi. D'accord ? Donc ça, c'est hors de question. C'est la santé d'abord, la santé mentale, les encouragements et la motivation. Ok ? Donc la stabilisation, c'est vraiment la phase la plus dure. C'est pourquoi j'ai créé Radix Next. Un programme qui peut te suivre sur 4, 8, 12 mois, voire même 2 ans. 2 ans, 2 ans de suivi avec moi, tu imagines ? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc si tu veux rejoindre Radix 90+, ça commence lundi. Si tu veux rejoindre Radix Next, ça commence quand tu veux. Ok ? Tu m'envoies un message, tu parles de ça au maximum autour de toi, tu parles du groupe, si ça t'aide, si toi aussi ça te booste, tu en parles au maximum autour de toi. Ce qui fait du bien à toi fera du bien aux autres, fera du bien à moi. Je me sens utile quand je vous aide. C'est vraiment comme ça que je me sens utile. Passez une bonne fin de journée. Gardez la patate. À midi, un post. Pensez à d'autres idées, à d'autres petites problématiques que vous avez. Pensez-y, réfléchissez. Postez-moi ça. On est arrivé à la fin du challenge. 30 jours, ça y est, c'est terminé. Detox and Fit. Gardez un maximum de bonnes habitudes. Conservez le citron. Romain, je l'arrête, c'était sur prescription médicale, c'était juste 3 mois. Non, ça tu la gardes. Là, elle est bonne pour ta santé, elle est bonne pour ton foie, tes reins, et elle est bonne pour ta santé mentale et pour ta motivation au quotidien. Garde-la. Retirez le pain, pâte, riz blanc, les pommes de terre, tout ça, c'est très bon pour ta santé. Alors garde-la cette bonne habitude. D'accord ? Réduire au maximum le sucre, c'est bon pour ta santé. Tu t'en es rendu compte si tu as tenu. Garde-la cette bonne habitude. Bien sûr, tu peux réintégrer, comme je t'ai dit, stabilise-toi progressivement, petit à petit, pas à pas. Ne te jette pas sur la bouffe tout de suite, d'accord ? Vas-y gentiment, ok ? Autorise-toi des écarts, des cheat meals, comme ça tu as sur ta semaine, le dimanche, j'ai prévu un cheat meal toute la semaine, je suis carré au millimètre. C'est un peu comme le mariage finalement. Non, mais je m'en fous de manger ton Kinder Bueno. J'ai mon écart qui est prévu dimanche midi, ben voilà, je m'y tiens. Ça va être génial dimanche midi, je vais pouvoir me lâcher, me décompresser. Et comme ça, échéance, une date et je suis au top avec ça. Bien sûr, les trois activités d'au moins 30 minutes dans la semaine, tu la gardes aussi. Elle est parfaite cette habitude. Les assouplissements, les étirements pour te détendre, pour perdre du poids, car les étirements t'aident à perdre du poids, tu le gardes. Et voilà, finalement, ben, le mois de juillet, le mois d'août vont passer au top. Si tu me demandes, bien sûr, des conseils d'été, je t'envoie ça et t'obtiens encore plus d'astuces, de tips. Et puis ben, voilà, finalement, une excellente fin de journée. Je te dis à très vite. Je te kiffe comme d'habitude. À tout à l'heure pour la méditation, pour ceux qui sont dans le groupe Premium. Si ça accroche, si ça vous fait du bien, il est possible que je vous la propose aussi dans ce groupe-là. Dites-moi en commentaire aussi si vous aimeriez 20 minutes de méditation chaque mois avec quelque chose qui vous aide encore une fois à vous évader, à vous recentrer sur vous-même, sur vos sensations, à arrêter de penser aux autres, au travail et à être comme ça stressé dans votre vie de tous les jours. On est d'accord ? Gardez la pêche, la patate. Un nouveau mois démarre, le mois de juillet. On reste tête dans le guidon avec Radix. Ciao, merci.